Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe épisode 18 forcément épisode 18 du coup on va durer d'une manche 4 hein, parce que c'est quand même très rapide ou 3 même non 3 c'est bien. Du coup, bonjour, j'ai qu'un jambon, ou jambon, je sais pas. En tout cas, on se retrouve dans l'épisode 18 où on fait la dernière, enfin l'avant-dernière bataille, avant la bataille aléatoire. Aujourd'hui, on va jouer dans Tiaouville, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va jouer un mode track sur la piste qui est tout exclusif à la Nintendo Switch. Donc c'est un mode de... C'est un mode de gendarme et de voleur. Donc ça a l'air vraiment amusant. Et c'est possible que ce soit le mode que je préfère le plus. Alors attraper les tous, c'est les Pokémon. Donc faut attraper Metal Mario, Villageoise, Daisy et tout ça. Enfin tout ce que vous voyez en haut à droite de l'écran. Oh là là, oh non c'était un bleu, mince. Ouais, j'attrape personne. Je suis... Oh, le bowling. Je voulais le bowling, moi. Pourquoi il n'y a pas un glitch pour rentrer dans le bowling ou dans ça, par exemple? Bon, je fais n'importe quoi, je regarde juste le décor, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça le but du jeu. Encore un. Il est où? On l'a attrapé. Yes, bah, c'était rapide. On a gagné, mais c'est pas possible, ça dit 3 minutes. Ah mince. Et ça fait une partie de 1 minute à chaque fois. La vidéo elle va même pas durer 10 minutes. Allez, on va faire colonie lunaire, on l'a pas fait beaucoup. J'aime pas trop ce circuit parce qu'il est un peu il est pas droit en fait, il est un peu bah, c'est le principe hein, du circuit, mais je sais pas, je l'aime enfin du terrain, mais j'aime pas trop. Du coup, dans 4 jours, la série est finie. Ah là là, que des bons souvenirs. Non, en fait, tout le monde s'en fout de cette série. De toute façon, il n'y a personne qui la regarde. Et du coup, dans 4 jours, on pourra recommencer un nouveau let's play. Un nouveau let's play du jour. Normalement, c'est Zelda Breath of the Wild. Ça aussi, j'aimerais beaucoup le finir, en fait, rapidement. Parce que... Mais je trouve que ça va. J'arrive à me débrouiller, au final... Ok, je dois sauver. J'ai appuyé sur la clé. J'ai sauvé mes amis. Oh non! Je suis en prison. C'est une blague. Je suis en prison. Sauvez-moi! Allez! Sauvez-moi, c'est pas possible. Pourquoi y'a personne qui vient? Ah si! Mario Tanuki! Ouais. Faut que je me fasse attraper. Ah, on a un méga boost quand on sort de la cage. Tout-y! Bon, on va encore perdre. Allez! Sauvez-nous. Ah, génial, on peut quand même faire ça dans la cage. Ouais, oh là là. Oh, oh le gros demi-tour que... Ah non, ça va, c'est un rouge. J'ai peur. Ah non, ça c'est un bleu. Non, c'était aussi un rouge. Ça c'est un bleu. Faut vite que je m'en aille. Vite. Je m'en fiche, j'ai un klaxon. Non! Ok. Ah non, bah c'est bon, il n'y a plus de cage à ouvrir, on est tous libres. Oh, Masca, c'était nul. Bon, je dis ça, je me fais attraper aussi tout le temps, alors... Et non! J'ai délivré les gens, je suis content. Oh non! Ils se sont tous fait encore attraper. Boum! Moi je fais que délivrer les gens, c'est trop bien. C'est pas grave, je vais encore vous délivrer. Ouh!
Là par contre là non c'est. Et moi je me suis pas encore fait attraper depuis longtemps hein. Ça va je trouve. Je trouve que je me débrouille plutôt bien quand même. Je préfère par contre le mode où on s'enfuit. Peut-être que vous préférez vous le mode où on attrape, mais moi je préfère le mode où on s'enfuit. Parce que c'est drôle, tu délivres tes coéquipiers et tout ça, en plus tu vas en prison quoi. N'importe quoi. Par contre quand t'es en prison tu fais rien alors. Mais genre je sais pas. Non, j'étais le seul qui restait. Il restait 10 secondes. J'ai secouru 6 coéquipiers quand même. Pidgeot Rose, elle est méchante, elle nous a délivré personne. Je pense que c'est celle qui s'est fait tout le temps attraper. Elle était tout le temps avec moi. On est tous dans la même cage, c'est trop drôle. Quel stage on va pouvoir faire? On va faire stade bousculette. C'est bien. D'ailleurs là je vous parle, aujourd'hui on est le 29 août. C'est la sortie de Mario plus The Lapin Crétin. Je vais le faire, évidemment je vais le faire sur la chaîne, mais je vais pas le faire tous les jours. Je le ferai comme ça, quelques moments, mais pas tous les jours, parce qu'il y aura déjà Zelda tous les jours, parce que voilà. Parce que Zelda, faut absolument que je le finisse avant, au moins avant la fin de l'année. Et enfin, j'aimerais au moins le finir avant la fin de l'année. Comme ça, pour 2018, on aura un Kirby, un Yoshi, on aura de quoi faire déjà, rien qu'avec ça. Oh oui, je dois attraper les gens. Oh yes, oh yes. Oh, j'ai attrapé plein de gens. Du coup, il y aura un Yoshi, il y aura un Kirby, il y aura... Il y aura quoi après? Il y aura aussi Mario Odyssey, parce que je pense qu'il sera un peu long quand même. Il y aura Splatoon 2 qui sera encore là. Normalement, si je me débrouille bien, on pourra encore faire du Minecraft. Minecraft, on en fera par exemple Minecraft Luigi. On pourra faire par exemple pour mon anniversaire, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines. Et on pourra faire aussi pour Halloween, on pourra faire aussi pour Noël, on pourra faire plein de trucs. Et Splatoon, Splatoon, mais il y a tellement de nouveautés qui arrivent en même temps, donc je peux pas toutes les faire. Donc Splatoon, forcément, ça va continuer aussi. Par contre, Splatoon, je pense que je le ferai jamais tous les jours. Après la Arms qui est bientôt finie, encore un épisode du mode classé. Et c'est fini. Ah non, par contre j'ai vu une vidéo de Nintendo France avec un nouveau personnage, c'est Lola Pop. Et du coup je ferai forcément une vidéo, en plus elle a un nouveau stage et tout, c'est, il est super stylé. Donc forcément je vous ferai une vidéo de la mise à jour de Arms. Ça paraît logique en plus. J'ai eu peur en fait, j'ai cru que mon micro n'était pas... Enfin, il était... Ouais, en fait, moi j'ai un micro casse, donc faut juste baisser le micro pour que vous m'entendez. Moi je pensais que le micro était relevé parce que je le voyais pas. J'ai eu trop peur. Oui, c'est parce que cette vidéo je l'ai recommencé pas mal de fois. C'est pour ça que j'ai déjà un peu la technique et tout ça. Par contre, quand je l'ai fait, forcément ça a coupé au premier match et j'ai été l'attrapeur, mais j'ai jamais été en prison. Là, c'est la première fois que je suis allé en prison. J'ai découvert le truc. Jamais été celui qui doit s'enfuir. Jamais été le voleur. J'ai toujours été le gendarme. Enfin, toujours, hein, je l'ai fait une fois, merci. Et après j'ai fait aussi la deuxième fois où je devais fuir, mais après j'ai remarqué que j'avais plus de place sur ma carte SD et que du coup je devais la supprimer des vidéos. Bon après comme let's play il y aura aussi Overcooked tous les mercredis, la détente sur Mario Party, Wii Party, tout ça le lundi. Il y a plein de trucs en fait. Je pense que la détente je vais la... Enfin je pense que Zelda je vais essayer de le terminer avant janvier 2018. La détente aussi je pense que je vais l'arrêter de avant janvier 2018, sauf s'il y a vraiment des bons jeux coop qui sortent sur Switch. Là par contre là il y a encore 5 c'était mort. Donc je pense que Zelda Overcooked et la détente du lundi ça sera terminé avant janvier 2018. Ça veut dire qu'on aura plus de temps pour Splatoon et Minecraft, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là c'est vrai qu'en ce moment il y a encore Arms, il y a encore Mario Kart que je suis en train de faire maintenant, il y a Zelda, il y a Splatoon. Il y a Zelda, enfin non, je viens de le dire, Zelda. Il y a Miitopia, mais Miitopia j'ai arrêté. Il y a
La détente, Overcooked, Disgaea, que faut que je refasse une vidéo sur Disgaea, parce qu'il y a eu pas mal de likes et de commentaires. Et de vues aussi, ça va, c'est correct. Faut aussi bientôt que je vous poste une vidéo sur les Amiibo. Il y a encore plein de vidéos en fait que j'ai déjà tournées mais que je peux pas encore mettre en ligne puisque j'ai pas le temps. Deux vidéos par jour, c'est pour moi, bon, c'est un bon rythme dans les vacances, mais en termes de... Mais là, avec tout ce que je dois faire, c'est pas assez. C'est genre... limite, pour bien faire tous mes let's play, je devrais faire 4 vidéos par jour, mais c'est impossible. Avec ma connexion... de caca. Pour être poli. Parce que c'est pire que ça. Ça veut dire que je mets au moins, je sais pas moi, une quinzaine d'heures à mettre une vidéo de 25 minutes en ligne. Voilà. Des fois, ça monte à jusqu'à une journée, hein. Donc... C'est une blague. On s'est fait tous attraper en 27 secondes. Là, la vidéo est pas assez longue. En fait, je pense... je pense que j'aurais dû mettre 5 courses. En tout cas, on a perdu. On a perdu 1-3. On s'est fait complètement exploser. Je veux quand même pas arrêter la vidéo sur ça quand même. Je sais même pas on a combien de temps. Oh, ici les Bowser. Bah tiens. Est-ce que j'ai passé tous les amiibo? Ouais. J'ai passé tous mes amiibo que j'avais. Puisque j'ai pas Yoshi, j'aimerais bien... Si vous avez un amiibo Yoshi que vous en servez plus, je veux bien l'avoir. Parce que moi je cherche un amiibo Yoshi. Mais pas Yoshi de laine, un vrai Yoshi. Yoshi de laine en fait. Ouais, si, pourquoi pas Yoshi de laine en fait. Mais ouais, bah du coup, on va faire un contre-la-montre. Voilà, parce que ça fait longtemps. Bon, on va toujours prendre Toadette. Hein. Yeah, yeah, yeah. Voilà. Pour la miniature. On va faire la route arc-en-ciel parce que c'est drôle. Et on va défier mon fantôme. Pardon. Voilà. J'ai éternué, je suis désolée. Allez. C'est juste parce que la vidéo, je pense qu'elle est trop courte. Hein. Je pense qu'elle durerait 10 minutes là. Je veux quand même qu'elle dure au moins. Allez, au moins 15 minutes. Pas comme ma vidéo sur avec Toad où elle durait 13 minutes. Je crois. Et je suis désolée si vous. Bah. Comme il y a pas mal de jeux divers sur ma chaîne, ça peut plaire à tout le monde, on va dire. Sauf ceux qui aiment pas du tout Nintendo. Mais j'ai aussi la durée, en fait, je sais pas. Je sais pas si ça vous convient en fait. Parce que moi je me dis, ouais, les gens peut-être qu'ils aiment pas regarder une vidéo trop courte non plus. Par exemple, moi voilà, je n'aime pas particulièrement les vidéos en dessous de 15 minutes. C'est-à-dire, je regarde quelques vidéos de CB Games. Je regarde par exemple les vidéos de CB Games, c'est pour citer un youtubeur que normalement il est connu. Hein, il a 1 million d'abonnés, presque. Il a 990 000. D'ailleurs, allez vous abonner, faut qu'on atteigne 1 million rapidement. Et voilà, par exemple, lui, moi, j'ai suivi son let's play sur... Enfin, je suis ses vidéos sur Splatoon et sur Splatoon 2. Parce que elles sont à peu près 16 minutes et c'est un jeu que j'aime bien. Et 16 minutes, en fait, je regarde les vidéos de CB Games seulement quand c'est des jeux Nintendo. Je suis pas fan des autres jeux. Si, mais je sais pas s'il a déjà fait du Overwatch, mais je regarde les vidéos d'Overwatch. Par exemple, d'ailleurs, Vadros avait fait une vidéo de Overwatch sur le Lucio Ball. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Parce que Vadros a une chaîne, oui. Non, c'est plus Punchroom et Vadros, c'est Punchroom. C'est une chaîne Punchroom et une chaîne Vadros. C'est plus la même. De toute façon, Vadros, il a toujours une chaîne. Mais en fait, il avait supprimé ses anciennes vidéos. Mais je le comprends. Attention, c'est pas méchant, hein, mais... Donc en fait j'aimerais bien
faire. D'ailleurs, j'avais proposé une idée de Stropole au final, mais je pense pas que. Je pense pas que je l'avais. Que je l'avais précisé. En fait, j'aimerais bien faire un sondage pour savoir, par exemple, si vous aimez les vidéos longues, ou si vous préférez les vidéos courtes. Quel jeu vidéo, enfin, quel let's play vous préférez sur ma chaîne. Qu'est-ce que je pourrais améliorer, voilà, des trucs comme ça. Mais j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas. Je pense que j'aurais pas assez de réponses. Donc genre, imaginez, il y a deux personnes qui votent, genre, il y aura... Voilà, c'est pas vraiment représentatif, alors que si... Tous mes 350 abonnés, enfin nos 350 abonnés, parce que 350 abonnés ils sont pour moi et pour Vadrose. On pense que voilà, c'est. Faut qu'il y ait au moins, franchement, pour se faire une idée, faut qu'il y ait au moins 15 personnes qui participent, sinon ça servira à rien. Donc c'est pour ça en fait, j'ai juste entre guillemets peur de ça. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par mon sondage pour savoir. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Bah, je vous mets le. Vous me dites dans les commentaires si ça vous voilà, si vous aimerez bien. Et du coup, moi, je dis à bientôt. Je sais pas si la vidéo est courte et longue, j'espère qu'elle vous aura quand même plu à tous. Laissez des pouces bleus pour Mario Kart tous les jours. Et du coup, on se dit à bientôt. Au revoir.